Amazon Sidewalk, est-ce que c'est un produit dont vous avez entendu parler? Amazon Sidewalk, c'est quoi? C'est un service de réseau méché qui va être automatiquement activé sur tous les produits Amazon compatibles, les assistants, les caméras de surveillance, etc., etc., compatibles Amazon, à partir de demain aux États-Unis. Pour l'instant, c'est US only, mais il y a de grandes chances pour que ça arrive en Europe rapidement. Ça pose des questions au niveau de la vie privée, évidemment, comme tout ce que soit Amazon depuis littéralement l'existence d'Amazon. Mais ça a quelques côtés pratiques, et en tout cas, j'aimerais bien que vous voyez ce que c'est, parce qu'il y a vraiment une grosse guerre technologique qui va se faire sur les réseaux méchés entre les différents opérateurs de technologie, et c'est important de savoir. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un réseau méché? C'est un réseau fait de différents appareils qui sont capables de discuter entre eux. L'exemple d'Apple est parfait, et c'est pour ça que je le prends, parce que Apple a ça avec le réseau Find My. Tous les iPhones parlent à tous les iPhones pour retrouver des iPhones perdus. Si vous perdez votre iPhone ou si vous perdez un objet sur lequel vous avez mis un AirTag, le fait que quelqu'un qui possède un iPhone passe à côté de votre AirTag va le pinguer sur la carte. Et en gros, tous les produits iOS font partie d'un gros réseau comme ça méché ensemble où ils discutent tous ensemble pour aider à retrouver des objets. Alors, ça peut être utilisé pour retrouver des objets, mais pas que. Ça peut aussi être utilisé en cas de perte de connexion Internet pour une caméra de surveillance, par exemple. Si jamais il y a un autre appareil Amazon qu'elle capte dans son champ, dans son rayon, et que lui a Internet, elle pourra utiliser sa connexion Internet pour continuer à être en ligne, même s'il n'y a plus Internet chez vous, par exemple. Donc Amazon Sidewalk, du coup, c'est ça. C'est un réseau méché où tous les appareils Amazon vont pouvoir discuter entre eux pour, du coup, ces deux usages, retrouver des appareils perdus avec des tiles. Je mets tile avec des gros guillemets, je sais pas exactement comment s'appelle la version Amazon de ce truc, mais vous avez compris. Et rester connecté à Internet en cas de perte de connexion. Et pourquoi je dis que ça va être la guerre? Parce que ce qui fait qu'Apple est relativement imbattable sur le mobile, c'est en partie ce réseau méché. C'est en partie parce que Apple a ce réseau qui peuvent proposer un meilleur service, qui peuvent proposer une meilleure expérience utilisateur, notamment dans cet aspect objet perdu, objet retrouvé. Et donc c'est intéressant parce que les autres sont en train de catch up, les autres n'ont pas le même réseau, n'ont pas la même interconnectivité entre les objets. Android là un peu plus, Android ça s'en sert dans Maps notamment pour vous dire si jamais il y a beaucoup de monde ou pas dans un magasin, comment ils font, ou s'il y a des bouchons sur la route, ils regardent juste s'il y a beaucoup d'appareils Android sur la route ou pas et ils peuvent vous dire s'il y a de l'affluence ou pas. Google le fait déjà, mais Google est limité par un truc. C'est que c'est très très chiant de mettre à jour le parc Android parce qu'il y a plein d'appareils Android qui existent avec différentes versions de l'OS. Et donc c'est hyper chiant parce que du coup pour Google, s'ils veulent pusher une nouvelle fonctionnalité, c'est un emmerdement. Et ils sont pas sûrs que tout le parc va mettre à jour son Android, loin de là. Alors qu'iOS, les gens ont beaucoup plus tendance à mettre à jour leur appareil iOS que Android. Et donc Amazon, qui n'avait pas de réseau comme ça, s'y met. Et voilà, et moi je trouve ça intéressant parce que déjà c'est bien que vous soyez au courant que ça existe, et je pense que ça va être une des nouvelles guerres technologiques, ça va être à qui a le meilleur réseau, qui a le meilleur mesh network pour pouvoir proposer des use cases aux gens comme retrouver des objets perdus, comme faire de l'interconnectivité comme ça en cas de perte de réseau, etc. Ça va être un peu le nouveau délire, et je pense qu'Apple malheureusement a trop d'avance et va gagner cette guerre malheureusement pour les autres. Ça, c'est la news. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez soulever quelque chose en particulier, les amis? C'est maintenant. J'ai rien compris, ça va donner Internet. Non, mais pour ceux qui n'ont rien compris dans le chat, vous voyez, quand vous perdez votre iPhone, vous pouvez aller sur iCloud et dire « j'ai perdu mon iPhone » et votre iPhone se met sur la carte, là où vous l'avez perdu. Comment ça marche? C'est parce que votre iPhone, en mode perdu, parle avec tous les autres iPhones dans le monde. Enfin, dans l'inverse, tous les autres iPhones parle à votre iPhone perdu, et votre iPhone perdu, il envoie des données en mode « Hello, je suis là, je suis perdu !» Et tous les autres iPhones du monde forment un réseau méché, on appelle ça un MESH, Mesh Network, où ils se parlent tous les uns entre les autres pour retrouver des appareils. Amazon ne fait pas de téléphone ? ! Effectivement. Mais il n'y a pas que les téléphones, il y a Tile notamment, on m'a dit en chat, on m'a confirmé que c'est bien Tile qui travaille avec Amazon, qui est un concurrent de l'AirTag, qui était avant l'AirTag, et donc ça peut servir à retrouver des objets du quotidien sur lesquels vous avez mis un Tile. Avec Apple, on voit bien l'utilité, mais là ça va servir à quoi avec Amazon? Comme je viens de dire, retrouver des appareils Tile,
et aider à avoir une connectivité plus stable sur les appareils connectés quand ils perdent l'accès à Internet. Pourquoi ça serait forcément une guerre? C'est juste une feature en plus? Non. Mais toute feature en plus qui est similaire aux concurrents est une guerre. Et le Mesh Network, c'est une guerre parce que si tu n'as pas le bon réseau d'interconnectivité des appareils, tu ne peux pas proposer les mêmes features. Ce qui fait que le Trouve mon iPhone de chez Apple fonctionne, c'est parce qu'ils ont un réseau incroyable avec des iPhones partout sur la planète qui se parlent entre eux. S'ils n'avaient pas ce réseau, ça ne marcherait pas aussi bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la guerre qui a le plus d'appareils dans le monde actif et qui peut se targuer d'avoir le réseau, le mesh network le plus étendu pour que ces fonctionnalités fonctionnent. Mais les appareils Apple ne communiquent pas entre eux directement, ils passent obligatoirement par Bluetooth, Wi-Fi ou GSM. Oui, donc ils parlent entre eux quoi. Et ils jouaient pas sur les mots. Oui, ils utilisent un protocole évidemment, mais ils parlent entre eux. Du coup, quelqu'un peut hack une ville slash pays entier s'il y a une faille? C'est une bonne question, je pense pas. Je pense que c'est plus compartimentalisé que ça, parce que c'est quand même ton device relié à ton compte Amazon, donc je sais pas à quel point c'est bloqué, mais c'est une bonne question. On verra, je sais pas. Quels objets Amazon sont proches de la rue pour pouvoir être utiles? Des caméras de surveillance, des objets tile, plein de trucs. Tu penses qu'il pourrait y avoir une application B2B? C'est trop tôt pour dire. Au niveau des entreprises, je pense que la fiabilité des appareils, c'est intéressant. S'assurer que sa caméra de surveillance tombe pas en rade en cas de coupure de Wi-Fi ou de conneries, c'est intéressant. De là à trouver d'autres applications particulièrement intéressantes pour les entreprises, là, tout de suite, immédiatement, j'en vois pas. Les USA avaient pas dans leur carton un projet RGPD-like. Je crois qu'effectivement, il y avait dans les cartons un truc de protection des données sur Internet aux US, mais les US, c'est compliqué, c'est vraiment pas les mêmes lois. Techniquement, c'est censé être déjà le cas avec les lois en place, mais elles sont pas vraiment adaptées, mais elles sont... bon, c'est un sac de nœuds que seul un avocat saura te répondre. Après, dans les entreprises, c'est très rapidement sensible au niveau de la sécurité et je pense qu'elles préfèrent être totalement en filaire. Tu sais, ce que tu dis, c'est vrai sur les très très grosses boîtes, mais dans la plupart des TPE-PME du monde, ils utilisent du matériel tout à fait normal. Les petites caméras de surveillance de ces Xiaomi là, à 35€, je les vois partout dans les TPE-PME. Partout. Et pourtant, elles sont en Wi-Fi, tu vois. C'est plus utile pour les USA, ce genre de feature avec les sonnettes connectées, mais en France, je suis pas convaincu. C'est vrai qu'aux US, il y a beaucoup plus de sonnettes connectées qu'une petite caméra sur la sonnette et tout. C'est vrai que du coup, oui, ça permet d'avoir un réseau qui s'étend jusqu'au devant de la rue. Penses-tu que cette feature poserait problème dans les pays européens au niveau des législations? Oui, je pense que c'est exactement pour ça que tout ce genre de truc se matérialise d'abord aux États-Unis. Les US ont un cadre législatif qui est beaucoup plus souple et qui permet de tester comme ça des nouveautés sans devoir faire trop de mise en conformité. Pour le meilleur comme pour le pire, hein, veut dire, parfois tu peux faire beaucoup plus de saloperies aux US parce que la loi est beaucoup plus permissive, mais donc tu peux aussi tester beaucoup plus d'innovations cool parce que la loi est permissive. C'est une pièce qui a deux sens, hein, évidemment. Voilà, c'était la news Amazon, abonnez-vous à Hardis TV bien sûr.